Juan Branco, qui est avocat et qui était au Yémen pendant un mois, le mois dernier, pour le Monde diplomatique. Donc, même question, Juan Branco, qu'est-ce qui pourrait sortir de ces... Qu'est-ce qui pourrait réussir à faire sortir le Yémen de cette guerre? Moi, je pense que l'un des enjeux principaux, c'est le soutien que Donald Trump attribue aujourd'hui au prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, dont c'est la guerre. C'est lui qui a lancé la guerre quand il était ministre de la Défense, probablement pour se légitimer dans sa stratégie de conquête du pouvoir. Et qu'à partir de là, c'est le personnage clé avec, évidemment, MBZ, qui est le prince héritier d'Abu Dhabi, qui a, lui, une stratégie d'influence de la part des Émirats sur toute la côte, en fait, de la péninsule arabique. Et donc, en fait, ces deux personnes qui travaillent ensemble ont décidé de se redistribuer, les cartes de la région. Mais elles dépendent fondamentalement de l'appui états-unien pour se maintenir au pouvoir. Et donc, c'est seulement à travers le pouvoir américain que l'on pourrait faire basculer la donne dans la région. Les Iraniens, Renaud Girard disait, ils soutiennent la rébellion de façon extrêmement mineure. Vous êtes d'accord là-dessus, Juan Branco, Frédéric Ansel? Moi, je vois, j'ai pas, il y a de ce qui est percevable, il y a très peu de traces de soutien. C'est-à-dire qu'il y a quelques missiles qui sont fournis, en fait, via des boutres. Avec quelques armements supplémentaires aux outils. Avec je rappelle après, que les boutres, ce sont des bateaux à voile. Qui servent à traverser, justement, que ce soit d'Érythrée ou du... Ça servait déjà du temps d'Henri de Montfred, qui était lui-même trafiquant d'armes, avec les mêmes boutres. Hein. Des boutres, d'ailleurs, qui sont pour certaines coulées par les forces spéciales françaises et américaines en dehors de tout droit international. Et après, il y a un certain nombre d'armement, d'aide, de soutien logistique qui est apporté, mais on voit très bien que c'est pas du tout quelque chose qui est fondamental ni décisif dans le conflit aujourd'hui. Il faut savoir que les Houthis sont en conflit avec le pouvoir central depuis 2004. Ils sont en guerre permanente. C'est-à-dire que c'est des guerriers aguerris qui sont chez eux, dans leur montagne, qu'ils connaissent vraiment presque mètre après mètre, et qu'ils ont construit en fait une vraie guérilla et une vraie assise sur les populations, qui au départ, pour une partie des zones qu'ils contrôlent aujourd'hui, ne partageaient pas justement le schisme qui est le leur, et qui pourtant, ils tiennent aujourd'hui, et l'enjeu aujourd'hui, c'est l'offensive sur le port d'Odeida, qui est le port d'où arrivent 90% des biens qui rentrent au Yémen, qui est aujourd'hui encerclé par les forces de la coalition, donc de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, enfin en tout cas de leurs mercenaires. Et ce port, qui pourtant ne appartient pas à la zone d'influence habituelle des Houthis, tient, et les populations tiennent, alors qu'en fait la stratégie saoudienne était de provoquer un exode massif de cette ville et d'à partir de là la faire tomber d'elle-même en l'encerclant. Ça n'a pas du tout été le cas et du coup ça fait quasiment un an que l'offensive s'est enlisée et c'est ce qui provoque une catastrophe humanitaire. Je voudrais dire un mot quand même sur les chiffres qui sont répétés depuis quasiment trois ans, les mêmes chiffres, 10 000 morts par an qui n'ont pas évolué. En fait, c'est pas du tout le cas. Save the Children, par exemple, évalue à près de 50 000 enfants qui meurent chaque année du fait des conséquences de la guerre. Sauf que, comme il y a très peu d'organisations humanitaires, très peu de membres de l'ONU et aucun journaliste, sauf sous contrôle excessif à la fois des Houthis qui sont complètement paranoïaques pour l'avoir vu et de la coalition, eh bien il n'y a pas d'actualisation de ces données, il n'y a pas d'accès en fait à l'évolution de la situation. Alors venons-en à la France qui se retrouve, je l'ai dit, plutôt sous pression maintenant en tant que vendeur d'armes à l'Arabie Saoudite, mais des armes on en vendait depuis longtemps et on n'est pas les seuls, il y a les États-Unis aussi. Et pas que, c'est-à-dire que le Figaro a révélé que les forces spéciales étaient impliquées dans le conflit. Nos forces spéciales ou les nôtres, oui. Les nôtres. Il y a nos chars, ça c'est Wikileaks qui l'a révélé récemment, les chars Leclerc qui ont été vendus aux Émirats Arabes Unis, qui sont ceux qui sont utilisés par les Émirats sur place. Il semblerait que la France aide dans le recrutement des mercenaires, parce que comme vous le disiez, ce n'est pas des soldats émiriens, et a fortiori des soldats de l'Arabie Saoudite qui sont impliqués dans le conflit, même si certains des Émirats les plus pauvres des Émirats Arabes Unis fournissent quelques soldats et se sont plaints auprès du prince héritier d'Abu Dhabi du fait que c'était les leurs qui tombaient et pas ceux d'Abu Dhabi comme par hasard. Mais c'est surtout en fait sur le terrain des Soudanais, des Tchadiens quelques-uns, des Centrafricains même et des Colombiens. C'est-à-dire que ça a été d'ailleurs révélé. C'est-à-dire il y a des troupes de choc colombiennes qui ont été recrutées pour former les mercenaires sur place et qui sont envoyées justement contre ces houthistes qui sont chez eux. Je voudrais juste dire d'ailleurs un point sur les liens entre les houthistes et l'Iran. En effet,
en fait, l'un des seuls liens qui existent et qui explique en fait le fait que médiatiquement et politiquement, ils s'inscrivent dans cet axe chiite, avec notamment des allers-retours à Damas pour essayer de se revendiquer du soutien du pouvoir de Bachar al-Assad, dont on devine bien qu'il n'est pas vraiment capable de donner un appui opérationnel à quiconque en dehors de son pays, c'est le fait que la famille qui est au pouvoir du côté des rebelles, c'est notamment formé à Qoms. Donc c'est des liens. C'est vraiment des liens, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré des gens en Iran qui leur ont servi de relais, qui eux-mêmes après ont intégré l'élite du pouvoir iranien et qui du coup leur servent un peu, mais c'est des liens très peu, très très intangibles quoi, très faibles. Et donc après sur la France, moi j'ai quand même une histoire incroyable, c'est-à-dire que moi l'ambassade de France à Djibouti a essayé de m'empêcher de partir au Yémen. Et je l'ai su par hasard, parce que je suis allé voir prendre mon visa à l'ambassade du Yémen, donc du côté de la coalition à Djibouti. Et là, il y a eu un micmac incroyable où l'ambassadeur m'a révélé sans faire exprès, et j'ai fini par l'enregistrer tellement c'était délirant, qu'en fait, il avait reçu des instructions de l'ambassade de France pour ne pas m'accorder le visa avec copie de mon passeport, etc. Sans que l'ambassade de France ne me prévienne. C'est-à-dire qu'en gros, en me mettant en danger, c'est-à-dire que si je risquais de me retrouver sur le terrain, considéré comme un ennemi par les gens de la coalition ou comme quelqu'un fiché par les Français qui ne devait pas être là, avec les conséquences que ça aurait pu impliquer. Et à aucun moment, l'ambassade de France n'a admis dans un premier temps avant de prétendre et de m'écrire un courrier antidaté. Enfin, c'est-à-dire que c'est dire il y a une invisibilité qui est organisée sur ce conflit. Et là, quand on parle des preuves en fait de l'implication iranienne, etc., pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à savoir exactement? C'est parce que tout simplement, aucun des acteurs au conflit n'a intérêt à ce que l'on sache ce qui se passe. Évidemment, du coup, au détriment de qui? Des populations. Et cette invisibilité qui est presque aussi grave que le blocage de l'aide humanitaire. Pourquoi? Parce que ça empêche de sensibiliser ça. Et il y a, je pense, une responsabilité de la part des grandes rédactions occidentales qui devraient, surtout les plus puissantes, qui devraient passer outre ces tentatives de blocage à la fois des grandes puissances comme la France et les membres de la coalition, mais aussi des outils, et d'envoyer quand même des journalistes et d'essayer de forcer le passage. Et c'est pas fait. C'est pas fait parce qu'aujourd'hui, visiblement, la correspondance de guerre, ça n'a plus le même prestige qu'auparavant. Le risque de perdre un journaliste est devenu beaucoup trop important par rapport à celui de ramener des informations qui pourraient en fait changer les choses sur le terrain. Et je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur cette évolution. Mais il y a une sorte de complicité de crime de guerre en fait. Mais pour revenir pour les journalistes, je sais que nos confrères de Paris Match avaient envoyé deux journalistes l'année dernière. Il y a eu un très très beau reportage. Mais... ils avaient pris beaucoup de risques. Oui. Alors bien évidemment, ils étaient seuls. Hein, mais il faut quand même rendre hommage à ceux qui vont sur le terrain et au détriment de leur vie. Ils ont dû partir en fait et ils sont fait rattraper. Parce qu'on ne leur a pas laissé, ils sont arrivés, ils sont rendus compte qu'en fait qu'on contrôlait leur travail complètement et ils ont dû être exfiltrés quasi immédiatement en fait. Là qui était installé, c'est-à-dire qui éditait justement le magazine qui était lu, enfin c'est là aussi où les frères Kouachi sont rendus avant l'attentat de Charlie Hebdo, c'est-à-dire que en fait le Yémen étant et l'épicentre de la guerre contre le terrorisme depuis des années, c'est pas pour rien qu'il y a 6 bases militaires qui ont été ouvertes à Djibouti en l'espace de quelques années, par les Italiens, les Russes, les Français, les Américains, les Chinois, et non pas les Russes, pardon, c'est les seuls qui pour l'instant ne sont pas installés, mais les Chinois et les Japonais, c'est justement parce que là, on en a fait, en fait, il y a évidemment la traversée du détroit de Bab el-Mandeb pour aller vers le canal de Suez, mais il y a la question de ce pays qui était devenu, en fait, un enjeu stratégique très important, ce qui fait que vous demandiez pourquoi est-ce que tout d'un coup, maintenant, on lui accorde l'attention, c'est parce que quand, en 2015, il y a cette offensive qui était censée être une offensive éclair qui est déclenchée par Bin Salman, il y a cette idée que finalement ça s'inscrit dans un territoire qui est déjà en guerre depuis des années et qu'il s'agit un peu de nettoyer les choses. Et on a, en fait, l'imaginaire collectif est déjà saturé par rapport au Yémen. Donc on se rend pas compte qu'on est en train de rentrer dans quelque chose d'autre avec des implications géopolitiques beaucoup plus lourdes comme on est en train, entre guillemets, de le découvrir aujourd'hui. Je voudrais revenir sur un point parce qu'on a beaucoup parlé de... Je suis pas certain, en fait, que les priorités géostratégiques de l'Arabie Saoudite soient si prégnantes au Yémen. Je pense qu'il y a ces enjeux de politique interne en Arabie Saoudite avec justement ce dont on a parlé, les luttes de pouvoir, la révolution de palais qui a eu lieu pour mettre le nouveau prince héritier MBS au pouvoir. Mais il y a derrière quand même, en fait, là où il y a un vrai enjeu géostratégique, c'est encore une fois pour Abu Dhabi. Et MBZ qui est quand même était dans une lutte avec Dubaï pour s'affirmer avec Al Maktoum pour s'affirmer vraiment sa prééminence sur les Émirats Arabes Unis, a décidé d'une stratégie d'expansion qui passe par les ports, en fait, dans presque une sorte d'acceptation du fait
que le fonctionnement westphalien dans lequel les États-nations avaient leur souveraineté sur leur territoire s'achevait, qu'on pouvait redevenir en fait à des stratégies un peu en collier, c'est-à-dire en collier de perse, c'est-à-dire avec le contrôle des ports qui devenait en fait l'enjeu principal. Quand vous voyez la façon dont est investi le Yémen aujourd'hui, que ce soit avec l'île de Socotra, le port d'Aden, maintenant le port d'Odeida, etc., il y a une véritable volonté là de construire une continuité qui après en fait trouve sa continuité avec la construction d'un nouveau port en Érythrée, la tentative de construction d'un port à Djibouti qui a été en fait arrêté par les Chinois, qui ont décidé en fait de reprendre le port qui a été construit par Dubaï. Donc, et à travers ça, en fait, ils retissent des alliances entre Abu Dhabi et Dubaï, où en gros, on offre à Dubaï la possibilité, justement, avec son expertise portuaire, de se redéployer sans se sentir trop humilié après son écrasement lors de la crise qu'a connue la cité-État il y a quelques années. Et sur Al-Qaïda, un petit point, en effet, c'est-à-dire que il y a des ports aujourd'hui qui sont contrôlés par Al-Qaïda, c'est-à-dire qu'il y a des villes entières qui sont contrôlées par Al-Qaïda, et une très longue enquête de Associated Press cet été a montré que c'était fait en alliance avec les Émirats arabes unis qui fournissaient souvent des doubles soldes aux soldats d'Al-Qaïda, c'est-à-dire qu'ils sont payés par Al-Qaïda et ils sont payés par Abu Dhabi en même temps pour assurer le contrôle sur une partie des zones. Ça, c'est beaucoup plus, et c'est évidemment beaucoup plus gênant parce que on revient au traumatisme de l'Afghanistan où les Américains soutenaient l'ISI pakistanais, c'est-à-dire les services militaires pakistanais qui étaient tout à fait islamistes et qui, dans la lutte contre les Russes en Afghanistan, soutenait en fait les factions les plus anti-occidentales également, qui aujourd'hui d'ailleurs se battent avec Matyar, qui se battent contre les Occidentaux. Et donc c'est un jeu extrêmement dangereux. Les drones d'un côté et de l'autre, on leur donne le contrôle sur des pans entiers du territoire. C'est quand même sidérant. Et en gros, pourquoi est-ce que c'est si important à Abu Dhabi et les Émirats sont si importants? Parce qu'il y a un ambassadeur dont la crise entre l'Arabie Saoudite et le Qatar a provoqué toute une série de piratages, notamment de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis aux États-Unis, qui en fait se trouve être l'âme damnée de MBZ, donc du prince héritier d'Abu Dhabi, qui lui-même est considéré comme le mentor de MBS. Et c'est-à-dire qu'en fait, la stratégie de MBS serait en fait le fruit de son rapport avec MBZ, qui elle-même en fait est constituée par. Et un des éléments très importants de ça, c'est que comment est-ce que le prince héritier d'Arabie Saoudite installe son pouvoir? C'est la visite de Trump. La visite de Trump, qui est la première visite d'État de Trump après son élection, qui va justement à Riyad et qui, du coup, fait venir avec lui près de 60 chefs d'État qui viennent en quelque sorte reconnaître ce qui avait été jusque-là un coup d'État. C'est une révolution de palais, vraiment, avec avec une agilité très précaire. Et ça, c'est organisé. Pourquoi ? Parce que l'ambassadeur à Washington des Émirats Arabes Unis est très proche de Jared Kushner, donc du gendre de Donald Trump. Et c'est lui qui, en fait, du coup, vous imaginez l'emprise et l'influence que peut avoir le prince héritier d'Abu Dhabi aujourd'hui sur Riyad et justement, du coup, comment ils peuvent utiliser l'Arabie Saoudite pour mettre en place leur stratégie d'expansion régionale, alors qu'en fait, théoriquement, le rapport de force est complètement défavorable aux Émirats Arabes Unis, qui est un petit pays en termes de ressources. Et puis ça, Ron Branco et Renaud Girard. Moi, de ce que j'ai vu un peu autour de l'offensive d'Odeida, c'est que ça va être très difficile quand même pour les Saoudiens qui quand même font monter leurs avions de chasse au-dessus des altitudes normales dans lesquelles ils devraient bombarder par peur de se faire descendre parce que aucun Saoudien veut mourir en fait dans cette guerre et du coup bombarde n'importe comment. J'ai beaucoup de mal à voir comment est-ce qu'ils vont réussir à prendre la ville d'Odeida qui est complètement minée, qui a été préparée au siège depuis plus d'un an par les houthistes et qui du coup est vraiment prête à une offensive lourde qui d'ailleurs n'intervient pas. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup là de l'accroissement des tensions. Dans les faits, il y a eu 30-40 morts, à deux ou trois reprises, plutôt des militaires en l'occurrence. C'est-à-dire l'offensive n'est pas une offensive massive, du coup, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les forces vives et même leurs mercenaires n'ont pas envie d'aller se faire massacrer, se faire tirer par les snipers et les Kalachnikov qui sont placés partout autour des faubourgs de la ville. Donc ils ont pris un début de ville dans la partie sud, mais ils n'arrivent pas à avancer alors que ça fait depuis quand même maintenant plus d'un an que l'offensive a vraiment commencé et qu'elle a repris il y a depuis septembre. Et donc tant que Odeida n'est pas prise, Sanaa, qui est la capitale qui est prise par les houthistes, tiendra parce qu'elle a un accès à l'extérieur et elle peut s'approvisionner encore. Et donc
À partir de là, cette guerre ne me semble pas gagnable. Donc une sorte d'offensive comme ça qui permettrait de faire basculer le rapport de force, à mon avis, voit l'échec.